Salut tout le monde, c'est Angou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder avec la présentation d'un avion. Et oui, on change un petit peu, on arrête un petit peu les tanks, même si je vous rassure, je n'ai pas lâché l'affaire. Les tanks, je continue à y jouer et je compte bien vous faire d'autres vidéos de présentation sur les autres chars. Mais aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de changer. C'est pas que j'en avais marre des tanks, mais bon, un petit peu d'air frais, ça fait du bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la nation japonaise avec un avion que j'adore. Que j'adore, ouais, franchement, je l'aime bien. Il est assez particulier à utiliser. Il c'est pas réellement un. Enfin, c'est un chasseur léger, mais vous n'allez pas affronter des véritables chasseurs, bien que vous pouvez. Sa fonction première à ce Ki-44-2 au-dessous, hein, j'ai même pas présenté, c'est un avion premium de la nation japonaise en BR 2.3. Sa fonction première, eh bien, ça va être d'intercepter les bombardiers. Et pour ce faire, eh bien, il dispose d'un moteur extrêmement puissant qui va vous permettre de monter à très haute altitude et très rapidement. Franchement, à cette cote de bataille, même si j'ai pas fait encore tous les avions, je trouve que c'est assez bluffant. Cet avion monte extrêmement rapidement, sans perdre énormément de vitesse. Donc franchement, sa fonction première, et même dans la vraie vie, j'ai regardé sur Wikipédia, à la base, il a été conçu pour intercepter les B-29, les grosses forteresses volantes américaines. Donc c'est pour vous dire. Heureusement ici, en 2.3, on ne va pas affronter des B-29, sinon je pense qu'on se ferait exploser dans tous les sens. Mais voilà, sa fonction première va être ici, eh bien d'intercepter les bombardiers. Et pour ce faire, on aura un atout majeur. C'est ces deux canons. Alors, ils sont ici en rouge. Ce sont deux canons de 40 mm extrêmement puissants. Et autant vous dire que lorsque vous arrivez à toucher votre cible, ça fait énormément de dégâts. Si vous ne détruisez pas votre cible sur le coup, eh bien, il finira par mourir avec les dommages très importants qu'il aura subis. Mais voilà, ces deux canons de 40 mm font extrêmement mal. Ouais, franchement, ils font extrêmement mal. Par contre, il y a un petit défaut, il y a un petit bémol, c'est qu'il y a extrêmement peu de munitions. Je ne sais plus exactement combien il y a d'obus, mais concrètement, vous allez pouvoir tirer, allez comme ça, à vue de nez, 3-4 secondes en continu. Et après, il va falloir recharger 60 secondes. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est pourquoi cet avion, si vous comptez attaquer un bombardier, attaquez-le à une distance très courte. Je vous recommande d'attaquer entre 0 et 500 mètres. C'est très très dangereux, mais c'est la seule solution pour avoir en tout cas une chance de toucher votre adversaire avec ses canons de 40 mm. Il est bien sûr équipé de deux mitrailleuses de 12,7, mais bon, 12,7 mm sur un bombardier, voilà, vous allez faire des petits dégâts, mais bon, vous allez le chatouiller, quoi. C'est vraiment pas fait pour. C'est vraiment plus un moyen de défense contre les chasseurs éventuels qui seraient en train d'un petit peu de vous poursuivre. Donc voilà, c'est assez dangereux de s'approcher, mais c'est le risque qu'il faut prendre pour abattre un bombardier. Donc je pense que j'en ai fait le tour. On peut parler rapidement de son skin. Bon là, j'ai rajouté deux trois petits décalcos, mais bon, j'aime bien ce petit revêtement tigré. Je le trouve vraiment joli. Et puis personnellement, je trouve que c'est un avion qui a de l'allure. Faut dire ce qui est. Donc hop, je vous montre rapidement la vision infrarouge. On a ces fabuleux canons. Alors je sais pas si on peut appeler ça canon ou mitrailleuse. Bon, on va dire plutôt que c'est un canon, hein. Vu du 40 mm, je pense que ça tire des obus, hein. Et on a normalement les deux mitrailleuses qui sont juste devant le pilote. Après, bien sûr, on a les réservoirs, etc. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et puis voilà, alors je réfléchis si j'ai bien tout dit, si j'ai pas fait, si je n'ai rien omis de vous prévenir. Donc voilà, c'est bien sûr, je vais vous montrer après une vidéo de gameplay où je l'utilise. Je vais principalement attaquer des bombardiers puisque c'est sa fonction première. Mais bien sûr, rien ne vous oblige à aller un petit peu titiller les autres chasseurs, même si vous ne serez clairement pas à votre avantage. Et puis voilà, bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de lancer directement une partie pour que eh bien, je vous puisse vous montrer un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Alors, je vais peut-être y arriver. Alors, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai fait 2-3 parties avant. Je les ai pas enregistrées, enfin, je les ai enregistrées, mais je vais pas vous le mettre dans le montage, tout simplement parce que j'ai fait enfin, des parties où mon avion n'a duré que 10 secondes, 15 secondes. Je me suis retrouvé face à des monstres en face de moi. Enfin, bref, vous savez, l'équilibrage sur War Thunder, c'est un truc de fou. Bref, j'espère que ce sera un petit peu mieux ici. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi est capable cet avion. On va le jouer dans les règles de l'art. Donc, comme je vous l'ai dit, on va intercepter un bombardier s'il y en a, en prenant un maximum d'altitude. Et donc, je profite de ce fabuleux moteur pour prendre de l'altitude. Et vous voyez que même si ma vitesse diminue, c'est vraiment pas comparable à certains avions
qui déjà à ce niveau-là aurait déjà du mal à monter. Là, en fait, je suis déjà quand même encore à 300, je suis large, je peux encore monter tout simplement. En montant mon moteur en sur-régime, ça le fait. Hop, je reprends un petit peu de vitesse. Hop, je repasse la barre des 300 et je vais remonter encore un petit peu. Là-bas, j'ai ma petite cible là qui me fait de l'œil. Je vais le prendre en chasse. Et je vais quand même faire attention. Alors l'avantage de prendre de l'altitude très rapidement, c'est qu'on a l'embarras du choix en fait. Il suffit juste de regarder en bas et puis de faire du zoom and boom. Même si cet avion, c'est pas l'idéal au vu de son armement. Mais ça peut être utile. Alors attendez, hop, je vais un petit peu me concentrer. Là, j'ai été pris pour cible. C'est ce que je vous disais juste avant, il faut vraiment se rapprocher un maximum. Mais par contre, voilà, c'est quand même assez dangereux parce que bien, les tourelles mitrailleuses des bombardiers vont clairement pas se laisser faire. Donc je me rapproche. On va essayer encore un petit peu de se rapprocher. Encore, 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 encore. Plus je me rapproche, plus j'ai de chances de l'abattre. Hein. Il suffit qu'il y en ait un. Hop, c'est bon, nickel. Il suffit qu'il y ait un ou deux obus qui touchent et normalement le bombardier part en miettes. Hein. Ok, c'est bon. Bah, là c'est bon, je peux arrêter la vidéo. J'ai vraiment utilisé cet avion comme il fallait. Je suis assez haut, je vais quand même essayer de faire une autre cible. Et vous voyez que bah, j'ai déjà plus d'obus. J'ai déjà plus d'obus, j'ai tout tiré en l'espace de, je vous avais dit 4 secondes, je crois que c'est même moins que ça, en 3 secondes. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment... Faut tirer et être sûr, pas gâcher ses obus pour rien, sans quoi bien va falloir attendre 1 minute. Et vous savez qu'une minute, c'est quand même sans armement, entre guillemets, puisqu'il me reste toujours les mitrailleuses de 12-7. C'est quand même assez délicat. Allez, on va tenter de se faire une autre cible. J'hésite à attaquer en piqué. En même temps, là, j'ai toujours pas les obus. Allez, on est parti le temps que j'arrive. Allez, lui, je le prends en chasse. Je me concentre. Je vais peut-être pas l'avoir, mais bon, c'est pas grave, hein. Allez, 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 encore un peu. Ah, je fais n'importe quoi. Non, c'est bon. Bon. Il m'a eu, il m'a fait un petit peu mal. Je lui ai lancé, il a un petit coup critique, donc je sais pas s'il va s'en sortir, mais bon, je vais profiter de ma vitesse de descente pour remonter. Toujours en tout cas avec cet avion, essayer d'avoir la supériorité aérienne, notamment surtout la supériorité, pas aérienne, pardon, la supériorité, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais de l'altitude. Essayez toujours de vous retrouver au-dessus de votre ennemi. Ça sera bien plus simple. Je vais me le faire. Il est juste en dessous. Je lui ai fait des dégâts critiques, mais apparemment c'est pas suffisant. Ça n'a pas permis de l'attaquer. Allez, on y retourne. Oula, j'entends un bruit. J'entends un bruit de. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je suis poursuivi, il me semble. Allez, allez, allez. Que j'essaye, que je fasse au moins un deuxième kill juste pour le plaisir. Ah, mais il me semble que. Non, c'est lui que j'ai. Ouais, c'est bien lui. Hein. Allez, c'est parti, concentration. Je me rapproche. Ah, purée, dommage. Dommage, là, j'allais vraiment très très vite. Hein. Bah, j'ai eu l'assistance, c'est pas grave. Je suis arrivé vraiment très très vite, du coup, j'ai vraiment eu du mal à tourner. En même temps, c'est pas grave. Hop, comme tout à l'heure, je profite de ma vitesse de descente pour remonter. Très rapidement et attaquer ma prochaine cible. Donc là, j'ai vu, il y a un. Zut, comment il s'appelle? Le Thunder, je sais plus quoi, enfin. L'hydravion anglais qui est une cible de choix. En même temps, moi aussi, je suis une cible de choix là. Vu la fumée que je fais. Non! Je le sens pas, je le sens pas. J'essaie de fuir en prenant de l'altitude en espérant qu'il puisse pas me suivre. Je le sens pas là, je le sens vraiment pas. Là, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Bon, j'aurais pas fait une game super exaltante. Franchement, c'est pas une. Voilà, c'est tout moi quoi. Je vais pas vous choisir une vidéo de gameplay où je fais 15 kills. Ça serait vraiment vous mentir.
Et surtout, ce sera aussi vous donner peut-être une mauvaise idée de l'avion en vous disant, ouais, cet avion il est trop bien, en l'achetant, eh bien, je vais faire 15 kills, 20 kills. Non, non. Sincèrement, vous pouvez très bien en faire, hein. Après, tout dépend de votre niveau, tout dépend contre qui vous tombez. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais généralement, soyez-en rassurés, je peux vous assurer que vous ferez au moins un kill avec cet avion. Donc voilà les amis, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous présenterai aussi cet avion qui est vraiment bien, qui est vraiment cool, mais qui s'utilise d'une autre manière, qui est plus vraiment orienté dogfight pour le coup. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Donc j'espère voilà que cette vidéo vous aura plu, vous aura quand même donné une petite idée, eh bien, sur l'utilisation de cet avion, qui, je le rappelle, est clairement destiné aux attaques contre les bombardiers. Et c'est pour. Alors, je ferai peut-être une autre vidéo un peu plus tard où je l'essaierai en réaliste, voire en simulation, parce que je pense qu'il est clairement mieux en simulation. Sans même l'avoir essayé, je me dis que le fait de ne pas avoir toutes ces indications au vol, on peut faire le chasseur de bombardiers plus facilement. Dans le sens où eh bien, les ennemis ne nous repèrent pas aussi facilement. Enfin bon, c'est qu'un avis personnel. On verra bien. Donc voilà les amis, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut tout le monde.